Et salut les Kinder On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo qui m'a été énormément demandé suite à ma dernière vidéo que j'ai fait sur Cyril concernant l'empilement manuel. On va voir du coup aujourd'hui comment on peut faire pour empiler plusieurs nuits différentes manuellement. Mais avant toute chose, je voulais quand même vous faire remarquer un petit truc. Vous avez vu là ça Bah ça c'est ma sœur qui a fait. C'est joli hein Non, elle s'est amusée à faire ça, à me faire un petit tableau euh, par rapport à la chaîne, euh, voilà. Donc euh, elle a fait ça avec des perles à repasser. Assez. Vous savez, les perles là qu'on s'amuse après à chauffer pour faire ensuite des, des motifs. Bah ben voilà, elle s'est éclatée, elle m'a fait euh, un petit cadre euh, pour, euh, pour faire honneur à la chaîne YouTube. Donc encore un énorme merci à elle, ça m'a fait trop plaisir et voilà, je trouve ça sympa. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc, pour ça, on va se retrouver une nouvelle fois sous Cyril, bien sûr. Alors, je vous encourage vivement à télécharger la nouvelle version qui est sortie la fin février. Franchement, elle est super. Je pense que je vous ferai une petite vidéo avec toutes les petites nouveautés que, que le logiciel propose. Mais ça, on le verra dans une, dans une vidéo ultérieure. Donc, ce qu'on va déjà commencer par faire, c'est déjà de une visionner mon, ma précédente vidéo si vous l'avez pas déjà vue pour euh, voir comment on empile manuellement les fichiers de calibration, c'est-à-dire les darks, les flats, les offsets. Je ne vais pas revenir dessus là aujourd'hui. Je ne vais pas refaire la même chose. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo où je présente où je montre comment on fait, eh ben vous allez la voir. Je vous mets le, le lien là-haut là et ensuite on voit on voit ensemble. Donc je pars du principe que vous avez déjà vos master darks, vos master flats et euh, bah, le master offset est déjà dans le master flat vu qu'on traite les flats avec le master offset. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est on va aller dans notre dossier des, des lights on a fait sur, sur la cible sur plusieurs nuits. Donc voilà, je vous ai fait l'exemple où j'ai shooté la cible du lion le 10 février et le 13 février. Voilà, donc vous avez deux nuits différentes avec des darks et des flats différents. D'accord On va déjà commencer par traiter notre première nuit du 10 février. Donc en fait, ça pour l'instant, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Vous les sélectionnez tous, vous les mettez dans l'onglet conversion comme, comme dans la première vidéo. Hein. Vous allez les marquer brut ici. Vous choisissez bien votre dossier de travail. Attendez, je vais juste regarder que c'est le bon, moi, dans ce que j'ai fait. Ok, donc ça c'est bon. Et vous faites convertir. Voilà, donc là, la séquence a été créée, donc ça c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir, du coup, les pré-traiter. Donc, vous voyez que maintenant, dans la nouvelle version de Siri, ça s'appelait plus pré-traitement, mais calibration. Mais c'est exactement pareil, hein, c'est le même principe, c'est juste le nom qui change. Donc, vous cherchez votre master dark qui correspond. À la session des brutes qu'on est en train de faire, d'accord. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est le 10 février. Donc je vais chercher mes masters du 10 février et le dark. Hein. Pareil pour le flat, je vais chercher mon master flat du 10 février, d'accord, parce que je suis en train de traiter les brutes du 10 février. Donc le 10 est flat. Voilà. Donc ça c'est tout bon. Tac tac tac. Euh, on est bon. Le, la séquence de sortie, ça sera des PP brutes. Ça voudra dire que nos brutes ont été prétraité et on coche bien la case dématricer avant sauvegarde pour retrouver nos couleurs bien entendu et vous faites commencer calibration voilà qui avant s'appelait prétraité tout simplement OK donc là il a fini euh, si je me mets en auto ajustement voilà on est bien sûr il a bien dématricé donc ça c'est tout bon Alors petite pause les kinder je suis allé un peu vite dans le tutoriel pourquoi parce qu'en fait je vais directement passer là maintenant à la deuxième session sauf que j'ai fait une erreur je suis... Je suis allée un peu vite. Une fois que vous avez prétraité vos brutes avec vos fichiers de calibration, donc les darks, les flats, les offsets, il faut bien entendu encore faire un retrait de gradient à la séquence. C'est tout l'intérêt de le faire en manuel. D'ailleurs, c'est de pouvoir gérer ce genre de choses par rapport au script et pouvoir faire un retrait de gradient manuellement à la séquence que je vous avais montré euh, la dernière fois lors du dernier tuto d'ailleurs. Vous à la maison quand vous ferez le tuto, n'oubliez pas de d'abord faire un retrait de gradient à la séquence avant de passer à la nuit suivante. Voilà. On peut reprendre euh, on peut reprendre le tuto, c'est parti, on passe à la seconde nuit. Donc on va aller dans notre dossier de travail hein, qu'on a qu'on a choisi où est-ce qu'il a mis nos nos, nos, nos PP euh, machin là, donc travail. Voilà, on est bien ici. Tac. Donc celle là on s'en fiche, on en a plus besoin. Hein, les les brutes-là qui ont été euh, qui ont été créées, vous pouvez les virer. On en a plus besoin. Nous, ce qu'il faut garder, c'est cette séquence-là, là, de PP brut, euh, PP brut qui est ici. Donc, à la limite, je vais me faire un nouveau dossier. Tac, je vais marquer euh, PP brut du 10 février. Hein, voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, tac, voilà. On les range dans le dossier qu'on vient de créer. Le fichier de séquence, on peut le shooter, on s'en fout. Et maintenant, on va s'occuper, du coup, de nos brutes, mais de la session suivante. D'accord? Donc, vous allez dans l'outil conversion. De nouveau, vous virez les fichiers qui sont là. Vous cherchez les brutes de la seconde session. Donc, moi, en l'occurrence, c'est celle du 13 février. Donc, vous les sélectionnez, vous les transférez toutes là-dedans. Vous pouvez laisser en brutes. Vous faites convertir. Voilà, ça, c'est bon. Et vous retournez dans la partie calibration là-haut. Vous changez, bien entendu, votre master dark parce qu'on a changé de session, hein, On n'est plus sur celle d'avant. Donc, je vais chercher mes masters du 13. Voilà. Le dark qui est là. Tac. Et pareil, le flat, on va le changer. On n'est plus dans du flat. Euh, on est plus dans le 10, pardon. On est dans le 13. Donc, master, le 13, flat. Voilà. Donc, j'ai les bons masters pour les bonnes brutes. Et maintenant, je vais pouvoir vérifier toujours qu'il y a bien ici la case de cocher et vous faites commencer calibration. Voilà. Donc, ça, ça a été prêt traité. C'est tout bon. Donc, on va aller dans notre dossier de travail comme avant. Tac, dans le dossier de travail. Pareil, les, la séquence de brutes, je peux la virer. J'en ai plus besoin. Voilà. On va se créer un nouveau dossier avec, donc, les pp bruts, on a dit, du 13. Voilà. Donc, on va les sélectionner. C'est celle qu'on vient de faire là. Et on va les mettre dans le 13. D'accord? Ensuite, ce que vous allez faire, hop là. C'est pas supprimer ce qu'on vient de faire, ça serait con. Voilà. Ça, je supprime aussi. Ce que vous allez faire, vous retournez ici dans l'onglet conversion. Du coup, vous virez ce qu'il là. Et du coup, vous allez mettre les PP bruts que vous avez traité du 10, d'accord Vous les mettez là-dedans et vous cherchez ensuite les PP bruts que vous avez fait du 13 et vous les mettez là-dedans, d'accord Et là, vous avez euh, vous allez renommer la séquence euh, bah vous pouvez la remettre PP brut comme ça vous savez que c'est les bruts de l'ensemble de vos sessions qui ont été euh, qui ont été faites. Donc PP brut pour dire que c'est toutes les brutes qui ont été pré traités et vous faites convertir D'accord. Là, ça en fait, ça a créé une séquence avec l'ensemble de vos fichiers qui ont été convertis en une seule et même séquence avec euh, les, les deux sessions euh, prétraitées, avec bien les DOF à chaque fois qui correspondent. Voilà. Donc ensuite, si vous allez directement dans l'outil alignement, après en fait, on passe sur un truc basique. Hein, euh, l'ensemble de la session a été regroupé. Donc après, vous choisissez bien alignement global, ciel profond, aligner toutes les images de la séquence, ça c'est tout bon, on laisse comme ça, pas besoin de faire de drizzle x2, c'est tout bon, et vous faites Ok, donc là il a fini de m'aligner donc l'ensemble des images, donc les 162 images ont bien été alignées, zéro en échec, donc ça c'est bon. Et quand je passe ensuite à l'onglet empilement, donc on est bien sur méthode d'empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants, c'est bon, Additive avec mise à l'échelle, ça c'est bon. On va prendre cet algorithme parce que vu qu'on a 162 images euh, ça fait beaucoup beaucoup d'images donc on peut choisir cet algorithme là c'est à dire test de déviation extrême généralisée de student pondération on va laisser aucun ça c'est bon par contre là on va trier nos images on va certainement pas aligner on va pas empiler les 162 à mon avis je vais devoir en dégager pourquoi parce qu'il y en a certainement avec une fWhm qui n'est pas bonne d'accord donc on va trier par fwhm là si je le paramètre de 90% des images ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de 445 en fwhm il me les shoot, il me les prend pas ce qui fait que je suis plus qu'à 145 images sur 162 si je vais être encore plus restrictive c'est à dire que je ne veux pas qui est des images qui dépassent 4, par exemple. Et ben, vous allez réduire ici. Si vous prenez 70%, ben par exemple, on tombe à 4,26. Après, c'est un choix à faire. Euh, le problème, c'est que si je me mets qu'à 70%, eh ben, euh, il me reste plus que 113 images sur 162. Voilà. C'est des, des choix à faire en fonction de à quel point vous êtes pointilleux ou pas. Là maintenant pour pour l'exemple, je vais exprès être pointilleuse comme ça l'empilement il sera il sera moins chiant. Voilà, je vais garder 60 des images. Ça va me faire euh, voilà, tout ce qui est au-dessus de 4, euh, il va au-dessus de 418, il va pas les prendre. Donc ce qui fait que je me retrouve avec 97 images sur 162. Qu'est-ce qui explique euh, cette FWHM qui peut être très élevée sur cette, certaines images ça ça peut ça peut être un défaut de suivi si par exemple il y a eu un gros coup de vent d'un seul coup bah ben hop ça a un petit peu bougé il y a une image qui est dégueulasse euh, ça va être surtout la mise au point euh, qui va changer au fur et à mesure de la nuit voilà parce que si maintenant je je me mets à 100 vous voyez que la 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 plus grosse DFWHM elle est quand même à 5.39 voilà, donc ça c'est pas c'est pas ouf. Là maintenant pour l'exemple, voilà, je vais me mettre à 60 Après là c'est hyper restrictif, hein, euh, Vous perdez 40 de vos images. Voilà. Ça après c'est en fonction de vos critères. Hein, vous jouez en fonction de qu'est-ce que vous tolérez comme fwhm, combien ça va vous enlever d'image. En fonction de ce que ça vous enlève, vous allez peut-être être moins tolérant, euh, enfin plus tolérant je veux dire et, euh, et augmenter le pourcentage. Voilà. Moi maintenant je vais rester à, à 60 C'est bien. Euh, enregistrer, euh, voilà, on va laisser comme ça, séquence euh, stack. Donc, il va en fait, il va prendre le nom de la séquence qui est PP brut et à la fin, il va rajouter euh, stack. Alors, avant d'empiler, par contre, vous vous assurez bien qu'ici, euh, vous cochez normalisation en sortie. Euh, je l'ai expliqué hein, la dernière fois lors du lors du tuto le pourquoi du comment. Je vais pas le réexpliquer là maintenant. Et vous pouvez faire débuter l'empilement. Donc voilà, l'empilement vient de se terminer. Donc il m'a bien empilé du coup 97 images sur 162 parce qu'on a dit qu'on avait gardé combien Maintenant je ne sais plus. Voilà, on a gardé 60% des images sur les 162. On a gardé toutes celles qui avaient une FWHM inférieure à 4.18. D'accord. Donc du coup, ça nous fait 97 images. Donc c'est bien un empilement de deux. Sessions différentes avec des Dof différents qu'on a fait et qu'on a empilé ensuite. Si je vais ensuite, euh, ensuite c'est tout basique, hein, c'est c'est le prétraitement euh, comme vous faites d'habitude. Hein, après vous allez dans histogramme, vous regardez ici, tac. Donc on est bien ici hein, sur la séquence euh, RPP brut qui a été alignée, le stack. Voilà, on est bien sur l'image empilée quand vous avez ici marqué stack c'est votre image sortie d'empilement, d'accord Donc là-dessus, vous pouvez faire ben, tout simplement un retrait de, de gradient. Déjà, alors je crois que maintenant, avec la nouvelle version de Cyril, on peut travailler dans le canal RVB1. Donc alors attendez, mm. euh, si maintenant je fais une extraction de gradient, voilà, attendez là, il y a aussi pas mal de signal, on va virer tous les carrés qui sont là, tac, 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 tout ça c'est du signal, on va pas le prendre et on va faire calculer le gradient ouais ça pff, ouais euh, ouais 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 pourquoi pas pourquoi pas fais voir Ouais, c'est pas mal. Hein. Si on fait voir l'image originale, euh, ouais, c'est bien. On va rester comme ça. Euh, autre chose que j'ai pas précisé, c'est vrai que là, on est en train de faire un retrait de gradient. Euh, à savoir que vous pouvez le faire en amont à la séquence, comme ce que j'avais euh, fait lors du précédent tuto, d'accord. Donc, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait les PP bruts de, de la première séance. Avant de passer à la seconde séance et de prétraiter les bruts de votre seconde séance, vous faites d'abord sur la première séance, vous allez faire votre retrait de gradient sur les PP bruts de la première séance. Voilà. Et donc en fait, en finalité, à la fin, au lieu d'additionner les deux séances de PP brut, vous allez additionner les deux séances de BKG PP brut. Ce qui fait que en fait, vous allez traiter le retrait de gradient vraiment par session. De shooting, voilà, plutôt que de vous amuser à la fin à devoir retirer un gradient euh, cumulé de plusieurs sessions différentes, de plusieurs photos différentes. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le montrer tout de suite. Euh, J'étais trop rapide, mais je vous le dis maintenant, il n'y a pas de souci. Vous reprenez exactement la même méthode que le tuto précédent. Du coup, vous faites appliquer, ça c'est bon, c'est tout bien. Vous allez dans auto-ajustement et on va ajuster bah, les couleurs, n'est-ce hein, pas Donc, étalonnage des couleurs par photométrie. On est sur la nébuleuse du lion, donc CH2-132 qui est là. Vous faites OK. Enfin, je dis vous faites OK. Euh, vous renseignez quand même votre longueur focale et les pixels de votre caméra. Moi, c'est d'office renseigné. Et si vous ne les connaissez pas, vous faites obtenir métadonnées de l'image, n'est-ce pas euh, donc voilà, il m'a bien fait la, la, la photométrie, donc c'est tout bon, c'est pas mal. Et euh, bah ensuite, on va passer au mode linéaire, on va faire une transformation à signe, n'est-ce pas Voilà, pour déjà un petit peu avoir les... Hop, tac, pour déjà étirer l'histogramme comme il faut, on est pas mal à faire appliquer. Transformation de l'histogramme, il est plus dedans. Bon, c'est pas grave, on va le chercher ici, hein. Transformation de l'histogramme, enfin, un petit trou, tac. C'est peut-être un peu trop étiré. Appliquer et fermer. Notre petite sh 2 Et une fois que vous avez terminé, euh, n'oubliez surtout pas d'enregistrer votre image. Donc là, on est bon, hein. J'ai fait l'état, on va peut-être pouvoir faire euh, une suppression du bruit vert. Ça, je l'avais pas fait. Hop. Appliquer. Voilà, et c'est tout bon. Et on peut faire enregistrer là-haut sur la petite flèche à côté, et vous pouvez mettre sortie. Euh, voilà en TIFF bien entendu si vous voulez ensuite la gérer dans Photoshop euh, en 16 bits, n'est-ce pas Enregistrer et voilà, c'est tout bon. Bon ben bah voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous montrer et c'est ce qui m'avait été pas mal demandé, donc euh, voilà, c'est chose faite, n'est-ce pas Prochain tuto, ça sera certainement pour vous montrer comment on extrait les couches HA et O3 de manière manuelle aussi pour éviter de passer par les scripts. Je vous dis à très très bientôt les Kinders. Groshmoots